Hello les amis et bienvenue sur Project Zomboid, avec notre ami les zombies. Oh là 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 là, il est en train de bouffer la meuf, ouais, incroyable. Et donc sur ce petit jeu indé qui m'a séduit totalement, nous allons tout de suite essayer de faire quelque chose de tout ça. Alors nous avons le mat bac à sable, personnalisez votre propre et mourrez comme vous le voulez, effectivement, c'est incroyable. On va faire ce petit mode de bac à sable, c'est parti. Alors pour ceux qui connaissent pas beaucoup ce jeu, eh bien nous sommes sur une très très grande map en 2D, comme vous pouvez le voir ici. Donc on est mis dans une ville, un endroit des États-Unis, et le but est de survivre, ou du moins mourir dignement, voilà. Alors je peux en combien de temps ça prend tout ça, mais je ne sais plus. Tout ce qu'il en est, c'est qu'on va devoir choisir un endroit. Et cet endroit de Rosewood me dit bien. Alors, faut savoir que j'ai déjà joué un tout petit peu pour comprendre un peu comment tout ça se joue. Et on a été avec des amis dans cette magnifique map qui est totalement immense. Alors on va essayer tout de suite Rosewood, ça me dit bien. Allez hop, c'est parti. On va se mettre en difficulté normale et on va mettre distribution focalisée en ville, très très bien. Option du temps, durée d'une journée, c'est à mettre 30 minutes. On va mettre juillet, c'est très bien. Jour de départ, on va mettre ça 1. Heure de départ, on va mettre 7h du matin, voilà. Coupure de l'eau entre 0 et 30 jours. Bon, on va laisser tout ça, voilà, blablabla, blablabla. Voilà. Option de la nature, on va mettre ça normal. Directeur sadique de l'EA. Hélicoptère, on va mettre ça de temps en temps, de temps en temps, de temps en temps. Ah, il y a effectivement, c'est ce qu'on a vu en multijoueur, il y a un hélicoptère et cet enfoiré, il passe au-dessus de nous et il nous repère et ramène tous les zombies sur notre gueule, effectivement, ce n'est pas cool. Ensuite, on a des états événements, donc des coups de feu, des personnes qui crient, etc. Contrôle. Oh là. Rareté des butins, on va mettre normal, on va mettre normal partout. Personnage. Alors, la nutrition, équipement de départ, non, fracture. Ok. Véhicule, ok, archétype du zombie. On a un zombie traditionnel. Eh ben, c'est parti. On va sauvegarder ça. On va mettre new, voilà, voilà, comme ça, ça sera fait. Et commençons tout de suite par Gaëtan. Gaëtan qui va devoir survivre, Gaëtan Murphy, voilà, mais qui est une femme et que nous allons mettre en homme, donc on va remettre Gaëtan Clark maintenant, voilà, hop, il va être en débordure, c'est quoi aucun, oh là 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 là, c'est sexy ça, hein, oh c'est sexy, oh là là, il a poil, il est encore plus sexy, allez, aucun, il a rien sur lui, il a walpé. On va mettre un boxer noir, voilà. On va mettre du poil au torse. Oh là là là, il est stylé comme ça. De la barbe. On va tout mettre, allez hop, tiens, tout. Et il a de couleur marron. Voilà, il est stylé Gaëtan. Gaëtan qui va mourir très prochainement. Et qu'est-ce que Gaëtan faisait comme métier avant? Gaëtan était bien sûr... un magnifique bûcheron. Il était bûcheron, Gaëtan. Alors non, on va mettre un truc qui va nous donner un peu de des choses en plus. Moi j'ai mis cambrioleur, j'aime bien cambrioleur, mais c'est chaud. Hein. Gaëtan était maçon, non, garde forestier. Bon, on va remettre. Gaëtan était bûcheron. Voilà, il est bûcheron. Alors là, on peut mettre des traits disponibles. Alors, comme vous pouvez le voir, ça peut aller jusqu'à moins 10. Voilà, donc par exemple, notre Gaëtan est bagarreur. Voilà, bam. Et seulement, il va falloir rétablir ça. On ne peut pas jouer parce que on a mis trop de bonus à notre homme. Il va faire mettre des malus à notre homme. On va lui mettre maladroit.
maladroit, allez hop, il sera maladroit, il sera, il aura un estomac fragile, et il aura, il sera, diminue la capacité de la main et des sacs, aïe aïe aïe, enclin, hein, malchanceux, pacifiste, il sera paresseux, voilà, donc là on peut attribuer 3 points, on va les mettre. On va mettre 3 points. Les rudes conditions climatiques ne l'affectent pas. Prends moins de temps à lire. Et meilleure vision nocturne. Eh ben écoutez, on va mettre. Voilà, on va mettre ça. Et on est parti pour jouer. On va mettre. On va l'appeler. On va sauvegarder. On va mettre Gaëtan. Voilà, Gaëtan qui est parti. Et donc, c'est parti pour l'aventure! Deux zomboïdes, c'est la fin des temps. Bam, bam, bam. Il n'y avait aucun espoir de survie. Ah oui, hein, le jeu n'est pas fait pour survivre. Hein. Le but, au final, c'est de mourir. Hein. Voilà, voici le récit de votre mort. Voilà, hein, on ne peut pas survivre 1000 ans. Hein. Le but n'a pas de fin, c'est on meurt. Voilà. Ah là là là. Cette petite musique incroyable. Allez, vas-y, gamin. La petite musique qui s'arrête. Allons-nous commencer. Et c'est parti. Bla 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 bla. On s'en fout. On s'en fout. Et donc voici notre magnifique Gaëtan qui est actuellement à poil. Oh là là. Alors ça, déjà, on va fermer. Et donc on va pouvoir se balader dans cette petite maison, comme vous pouvez le voir. Ici, on a des livres, une radio. Ok, bon. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a des allumettes. On va récupérer ça. On peut avoir un bol. On va récupérer. On va récupérer. On a un ouvre-boîte. On récupère. Tout ça, c'est important. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai 14 poids en fait. Ça, c'est la charge maximale que je peux prendre. On peut prendre une marmite, mais je vais pas la prendre. Je vais prendre des cuillères, une fourchette. Voilà, je prends tout. Je prends tout. Je prends tout ça. Merde, alors je me suis trompé. Ok, on va pouvoir, avec le bol qu'on a récupéré, prendre de l'eau. Voilà. Ici, on a un briquet qu'on va prendre. Un couteau à beurre. Oh là là là, un mortier, un pignon. On récupère pas ça. Ampoule magenta. Alors, je sais pas du tout, des fois, parce que je débute, hein. Voilà. On peut allumer des trucs, on peut foutre le feu si on veut, on peut foutre le bordel. Alors, hop, on va ouvrir cette petite porte. On arrive dans une salle de bain. Ok. Ok. Et là, on a une chambre. Yes. On a un parapluie qui sert strictement à rien. J'aimerais bien avoir des vêtements. Des chaussettes. Un sac de randonnée. Oh là 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 là, on a de la chance. Alors le sac de randonnée va pouvoir nous donner, on va pouvoir charger plus de choses sur nous, voilà, hop, 20 places en plus. Je vais regarder très discrètement qu'est-ce qu'on a dehors. Voilà, les coups de feu, alors ça c'est un événement, on peut ouvrir les fenêtres et passer à travers. Voilà, hop, donc là, ok, on a un zombie devant. On peut s'équiper tout de suite de notre couteau à beurre. Et on se déplace. Mais en fait, comme ça, on peut se déplacer un peu plus furtivement. Voilà, on fait un peu moins de bruit. On va passer devant cette fenêtre. Ils sont en train de tout défoncer à l'intérieur. Donc, ça ne m'intéresse pas. On va aller par là. On va voir ce qu'il y a dedans. Hop, je vais passer à travers ça. Yeah. Allez, vas-y. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ok, on va ouvrir. Ah oh, là là, chiasse. Alors les zombies, hein, on peut les voir que quand on les regarde, hein, comme ça. Donc, Et là, c'est une maison à double étage. Alors, est-ce qu'il va jamais? Ok, il s'en fout. Ici, on a une demoiselle qui est à l'intérieur. Ça ne m'avance pas beaucoup. Ok. Alors, ils sont en train de se cogner. Est-ce qu'on a une petite fenêtre dans le coin? Ok, l'autre il a défoncé la fenêtre. Hein. Hop, on va aller à l'autre. Tac. Ok, c'est bon. Alors il peut y avoir des alarmes. Hein.
On a une télé qui est allumée. Alors ça, je déteste ça. Ça fait un bruit dégueulasse. Hop, on l'éteint. Alors là, qu'est-ce qu'on a par ici? On a rien. On a strictement rien. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un marteau. Oh là là, qui peut faire... qui est une arme. On va en prendre. On va tout prendre. Tout prendre. Hop, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a dans le frigo? On va tout prendre, c'est très bien. Ça, je vais pouvoir l'enlever. Qu'est-ce qu'on a par ici? Oh, peut-être du linge. Rien du tout. Rien du tout, rien du tout. Ok. On va passer à la petite... ici. Ok, c'est... un mouchoir, un peigne, une pince épilée, un rasoir. Un rasoir, on va prendre une pince épilée. Ça peut être toujours bien. Comme ça. Permet équipé pour étouffer la toux et les étoux. Ok, on va prendre ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va remonter à l'étage. J'ai l'impression qu'on a une petite porte. Voilà, pour aller juste ici. Oh là là là, la hache. La hache. Ah la hache. Alors, c'est hyper long à équiper, hein. Parce que bon, ça prend du poids, ça prend une hache, bien sûr. Bon, cette ville a l'air d'être assez calme. On va s'équiper tout de suite de la hache. Et on va monter à l'étage. Allez, vas-y. Ok. Il n'y a strictement... Ah ! Ah, les enfoirés ! Tiens, connard ! Allez. Allez. Allez, coucher ! Et on va le défoncer, sa mère. Et hop, on le défonce. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a des chaussures. On va prendre les chaussures. On a une carte de l'endroit. On va prendre... Donc, il est là, effectivement. On peut prendre un... Ok, ça. Un pull en verre ensanglanté. Alors, faut pas prendre les trucs. Oh, allez, coucher. Salope. Voilà. On va fermer la porte derrière nous, parce que... Ferme la porte, Jamie. Ferme la porte, Jamie. Alors, quand même, vous pouvez voir ici, il est agité. Il est pas serein, hein. Mais les bagarres, notre gars, donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a par ici? Aussi, il a une batte de baseball. Oh là 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 là, un acteur CD, un trombone. Il a un petit creux, notre petit homme là. Alors, il n'y a pas de souci, on a tout ce qu'il nous faut. Ok, on va pouvoir sortir tout doucement. On va fermer cette porte. On va passer à la suite. Hop. Et là, on a des livres. L'agriculture pour les nuls, je vais prendre. Ainsi que l'électricité pour les nuls, je vais prendre. On est vachement le plus loin à prendre un aiguille. Moi, le voleur, pour le coup, il prenait les trucs hyper rapidement. On va rentrer dans cette pièce avec du sang. Ok, il a repéré un truc. Ah, effectivement, il y en a un là-haut. Ah, viens. Allez, couchez. Couchez et couchez. Voilà, c'est bon. Ok, il a de la merde sur lui. Des chaussettes, un drap. Alors, les draps, on va pouvoir les équiper. Et les mettre sur les fenêtres. Alors comme vous pouvez le voir ici, on a les fenêtres qu'on peut fermer comme ceci. C'est très très bien. Ok, c'est très bien. Bon, on a tout. On a tout, on a tout. On a tout ce qu'il nous faut. On va passer à la... Au suivant. Et vas-y, tombe. Et on va le déglinguer à un coup de pied. Ah mon gars, les bagarres. On va pouvoir prendre un pantalon qui est propre. Très bien. Hop, on va s'en équiper maintenant d'ailleurs. On va mettre. Alors les chaussettes, je sais pas à quoi ça sert. On va enfiler en tout cas ce pantalon qui ne s'affiche pas d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a par ici? Une brosse à dents, du papier toilette, un rasoir, une souris morte qui peut faire l'office de bouffe. Hop, ok. Et on va ouvrir cette porte. Et nous tombons dans une pièce très simple. Ok, on va fermer la porte. Voilà, ok. Des chaussures, un sous-vêtement. Ok, ça ne sert strictement à rien. Ici, on a des chaussettes, un sous-vêtement et un réveil. On va le prendre, le réveil. Et ce que nous allons faire avec ce réveil, c'est qu'on a du coup l'heure. On sait quelle heure il est. Mais on va surtout régler l'alarme. On va la mettre sur off, très bien. On peut régler en fait ça pour faire de la distraction. Voilà, on peut éteindre la lumière, on peut allumer la lumière, c'est ça qui est cool. On va ouvrir et on va ressortir très rapidement. Alors bien sûr, hein,
Est-ce que j'étais voir dans la salle, dans la cuisine? Mais j'ai tout pris ici. On va pouvoir ressortir. On va ressortir tout doucement, comme ceci. Il y a un garage. On va aller voir le garage. Ok, le garage est clean. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Vous voyez, ici, il fait beaucoup plus noir. On a une batterie. Tirer de pêche, on va prendre. Je vais tout de suite transférer des choses qui sont un peu lourdes. Pourquoi je l'ai pas ça? On va enfiler. Ah c'est bon, j'ai enfilé mon petit truc. On va mettre les livres dans notre sac. Voilà. On va mettre les clous, c'est pareil. Pour l'instant, ils ne servent pas à grand chose. On a une carte du coin, on peut regarder la carte du coup et voir à peu près où on est. Alors bien sûr on peut pas vraiment se repérer comme ceci. En tout cas elle est assez grande cette map hein. Voilà. Ok, je vais transférer 2-3 trucs en plus qui ne me servent pas à grand chose comme le savon pour le moment. Voilà, la batte de baseball on va la mettre là de côté pour le moment. On peut se défendre hein. Allez hop 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 hop. Très bien. On va ressortir tout doucement. Voilà. Hop, allez vas-y. Passe. On va regarder très rapidement ce qu'il y a à travers cette petite fenêtre. Ok, il n'y a pas grand chose, j'ai l'impression. Et c'est fermé. Ok. Est-ce qu'on peut passer par là? Non, on peut pas. Ok. Et cette maison, qu'est-ce qu'il y a? La porte est ouverte. Ça ne m'inspire pas du tout confiance. Allez hop, on passe. Ok. Voilà, mon gars il a toujours un petit creux, mais ça c'est normal. Ok, les toilettes sont vides. Niveau maître, on prend pas pour le moment. Ça ne m'intéresse pas. Oh là là, il y en a une là. Allez, couchez. Allez, couchez. Oh là 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 là. Alors, ce qu'on va faire. On va fermer la porte. Ok, ici c'est clair. Dentifrice, canard en plastique, un drap. Nous allons prendre du la javel. Nous allons prendre. Ok, du zombie dans le coin. On va fermer la porte. Du coup, quand les portes sont fermées, ils sont obligés de frapper, de les casser tout ça. Donc, ça nous donne un petit avantage, mais vraiment un petit avantage. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Une ampoule rouge, des chips, on va prendre. On va les manger d'ailleurs. On va tout manger parce qu'on commence vraiment à avoir faim. Voilà. Toujours un bol. Ok, on va monter. On va regarder ce qu'ils ont quand même sur eux. Ok, des chaussures, un talkie-walkie. Ça, je m'en fous pour le moment. Et on va monter à l'étage. Toujours prêt à frapper. Ok, ça a l'air d'être assez clair. Ok, c'est clair. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une jupe. Ouais, bon, non, sans plus. Merci. Ok, une chambre qui est ouverte ici. Ah, ok, c'est la salle de bain. La salle de bain. Une brosse à dents. Un drap, on va le prendre. C'est quand même assez. Oh, un flacon de désinfectant, on va le prendre. Voilà, allez, c'est parti, on va ressortir tout doucement. Ici, c'est ouvert. C'est clair. On va fermer la porte en attendant. Tac. On a des débardeurs. Alors on va en prendre. On va déchirer les vêtements. Ça va nous faire des bandages. Et ce que nous allons faire avec ceci. D'ailleurs tout ça on va pouvoir foutre ça maintenant. Hop. Même les allumettes on s'en fout. Les chaussettes c'est pareil. Couteau à beurre pour le moment, on s'en fout. Attends, les draps, c'est pareil. Voilà. Alors, ce que nous allons faire avec ça, c'est que nous allons créer avec ces tissus. Désinfecter le tissu, ok. Ça, c'est vraiment pour au cas où. Ok, on va rouvrir la porte. On est sur nos gardes. Cette room, je l'ai faite. J'ai fait toute la maison, ok. On va redescendre, il est 17h. Tout se passe bien pour le moment. Ok.
Ok, il y a un zombie là-haut. On va se casser. Ok, il nous a vu. On va la tirer un peu plus loin. Ok, alors là par contre il y a masse monde. On va le niquer maintenant. Allez, vas-y, viens. Je suis sûr. Allez, meurs. Ok, commence à avoir faim, à soif par contre. Qu'est-ce que t'as sur toi? De la merde. Ok, il y a un zombie là qui va sortir. Allez, viens là. Oh, par derrière. Chaussures, on s'en fout. Que de la merde. On va se casser. On va aller un peu plus loin. Voilà, il y a par contre l'allée du monde. Ok. On n'est pas vraiment en safe, hein. On va être dans cette maison là. Et hop. Ok, on va être dans cette maison. Allez hop, celui-là il est fait. Au suivant. Allez, au suivant. Allez, viens la salope. Ah là, ça c'est fait. Oula, par contre là il y a vraiment du monde. Et hop, on va courir. Hop, allez, on va courir un peu. Là on est vraiment dans un mauvais état. Ça me le va pas. Hop, on va passer au dessus de ça. Très bien. Et hop, on se remet en mode de infiltration. Ciao, ciao, ciao. Alors là il y a du monde. Il y a un peu de monde. Mais on passe inaperçu. Voilà, hop, on passe inaperçu. Elle nous a pas vu. Nous ne l'avons pas vu. Voilà, c'est nickel, c'est très bien. Là par contre il y a vraiment du monde. On va passer dans la cuisine. Alors qu'est-ce qu'on a là? Là il y a vraiment du monde, ok. Alors on va partir de là. On va aller dans la forêt. Et on va passer tout doucement. Alors qu'est-ce qu'on a là? Oula, par contre il commence à être fatigué notre gars là. Effectivement je lui ai mis l'attribut fatigue. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut retirer le verre à briser. Sinon on va se faire mal. Vous voyez ici j'ai mon état de santé qui est très très bien. On va passer à travers la fenêtre. Bon, ici on a du monde hein. On va aller tout de suite à l'étage. Ok, on va les attendre. On va aller tout de suite dans cette pièce. Et on va regarder ce qu'on a par ici. On a strictement rien. On va dormir. Je sens que c'est de la merde hein. Même pas, ok. Il est stressé notre gars hein. Il est stressé, je veux bien te croire. Je crois qu'on pouvait faire quelque chose avec tout ça là. Bon, on va le faire sortir. Oh là là, bonjour monsieur. Allez, hop, coucher. On va fabriquer des corps de drap. Et on va partir de là très rapidement. Je vais ouvrir la conserve. Ok, il est encore en train de fabriquer, c'est pour ça. Ok, il a deux cornes de drap. Allez, dépêche-toi, Germain. Il est stressé, vous voyez, il est soucieux, il est sur les nerfs. Il a faim en plus, donc là, ça aide pas les choses. Il a soif. Notre poids est trop gros. On va ouvrir, on va boire. Buvons, buvons, buvons. Voilà, ok. On va rapidement voir ce qu'on a en bas. Ah ok, ça monte. Coucher. Ok, ça c'est fait. Au suivant. Ah! Il faut courir, il faut courir. Allez, ouvre ça. Ouvre ça. Ouvre ça. Jeune fou. Passez. Passer par la fenêtre, enlever les rideaux, démonter, construire. Construire, on peut d'hiver, non? Non, là. On va se faire mal. Allez, prends, prends, prends.
Allez, allez, Bah, comment on fait? Bon, bah, passer par-dessus. Sous aucune forme de pitié, on s'est cassé une jambe. On s'est fracturé la pied. On est dans la merde, la pute totale. Et ben voilà, je sens qu'on va crever. Ah, c'est pas grave, hein, c'était pour montrer un peu le jeu, hein. Voilà, de toute façon, on est destiné à mourir dans ce jeu, hein. Mais bon, une fracture du pied, j'ai pas compris comment on faisait pour passer à l'autre côté, mais bon. Allez, vas-y. Allez, allez, pousse Gaëtan. Pousse Gaëtan. Oh là, et puis ça arrive en masse, hein. Allez, vas-y, viens. Allez, viens là. Moi, je suis bagarreur, hein. Tiens. Tiens. Allez. Couchez. Allez, tiens. Tiens. On est bagarreur, nous, hein. Tiens. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a toujours une fracture au pied droit. Bah là, on va rien pouvoir faire. On va mourir à petit feu. Oh, il avait un pistolet, tiens. On va prendre le pistolet, là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la fracture, là? Un bandage. Pff, oui, si tu veux, on peut toujours faire ça, et hop. On va mettre... Voilà, fracture, mais ça ne sert strictement à rien. Voilà. On va utiliser le pistolet, là. De toute façon, on est là pour s'amuser. On va découvrir un peu tout ça. Alors, comme vous pouvez le voir... Oh, putain, je vais peut-être pouvoir me faire une petite attelle, hein. Avec ça. Fracture du pied, allez, allez, allez. Allez, gamin. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre des planches. Faire une planche coutée. Faire un attel. Voilà. On va me faire ça tout de suite. Ouais, bon, au moins, notre vie ne descend plus. Maintenant, on a bandé. Je me suis fait une attelle, merde. Ça ne sert strictement à rien. Hop. Ici, on va boire. Allez. Boire. Boire. Et hop, c'est parti. Voilà, déjà notre gars il va mieux. On va prendre. Ok. On va mettre ça là-dedans. Là-dedans. Les draps, on sait pas quoi en foutre, on va foutre ça là-dedans. Une fourchette. Allez, vas-y, dépêche-toi là, Germain. Oh putain, il les fait un par un. À une vitesse de zéro. Oh, on va pouvoir manger ça. Voilà. Alors là, on va ressortir la hache. Je crois que j'ai fait le ménage ici, hein. Et on va monter à l'étage. Et on va pouvoir se reposer. Parce que notre gars il est actuellement pas en très très bon. Effectivement. Je me rappelle de cette maison. Effectivement j'ai sauté. Où elle est la porte? Elle est là. Et nous allons nous reposer. Voilà. On va dormir. Souffre trop pour dormir. On va se reposer alors. Repose-toi, gamin. Voilà. Là, 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 on a pris cher. Hein. Fracture du pied, toujours. Hein. Regardez-moi cet homme avec sa hache. Les 6h du matin. On a à peu près fait 15 minutes. C'est pas mal pour découvrir. Le jeu, vous voyez, donc il est assez complet. Mais j'ai pas compris comment on faisait pour faire le truc avec les draps. Mais bon, c'est pas grave. Allez. Aïe, 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 aïe. Un pull au vert. Nous allons l'enfiler. Allez, hop. Et la prochaine fois, on prendra la configuration que je prenais, c'est-à-dire... gars qui... Alors on va ouvrir la fenêtre. On va construire. J'ai pas compris que du coup comment on fait pour passer, mais bon, c'est pas bien grave. Ici je suppose que je peux passer par dessus.
Nous sommes actuellement sur le toit. Voilà. D'accord. Je pense que ça m'a cassé. Bien sûr. Nous passons à travers tout ça. Bon, enfin voilà. On va sortir de cette maison et on va tout mitrailler. C'est parti. Et les amis, merci d'avoir regardé ce premier épisode de ce Gaëtan qui va tirer et qui n'a pas de balle. Et qui va mourir d'un atroce souffrance. Chargez bien là, Souka. Ah, allez. Allez, vas-y Gaëtan. Gaëtan, vas-y. Allez, vas-y Gaëtan. Oh, oh Gaëtan. Gaëtan qui défonce tout le monde. Oh là 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 là. Gaëtan. Vas-y Gaëtan. Oui! Oh là 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 là! Allez, ciao!